Et on verra pour mettre des trucs en 5. Alors déjà, 1, soigner. Ça sera pas mal pour le reste. Mais là, déjà, ça nous permettra de pouvoir protéger cette zone-là, d'avoir quelqu'un qui protège, ça sera pas mal déjà. Ok, bon, ça c'est déjà fermé. On a déjà fermé l'extérieur, on a grandi et c'est fermé de ce côté-là, donc c'est déjà pas mal. On va pouvoir faire une tour ici aussi. Et après, ouais, mais là on peut pas, il y a deux accès pour l'instant, c'est pas top. Parce qu'au final, on aurait pu tout à fait faire l'entrée ici avec un pont et... Ouais, mais bon. Non, j'aime bien l'entrée ici en disant qu'on va faire une tour là aussi. Comme ça, on aura vraiment une basse-cour ici et une haute-cour là. Et après, on commencera à envisager de faire progresser ce qu'il faut. On va essayer de faire les choses dans l'ordre pour le moment. D'ailleurs, Jackal progresse en construction ou pas? Ouais, il est passé à 1, hein, de 0 à 1. Donc il sait au moins poser un bout de machin, quoi. C'est au moins planter un clou, quoi. Ah, il connaît le bon sens du marteau. Non, je suis pas sûr. Mais on a essayé de lui apprendre, quoi. J'essaie de le découvrir. Donc, c'est des choses qui arrivent. Ok, maintenant il nous faut du bois. Du bois. Bon, déjà ça progresse. On va pas trop se plaindre, ça progresse. Je me demande si la courbasse, je vais pas la faire aller jusque-là en fait. Parce que ça nous ferait une tour ici, là on aurait de quoi faire, etc. De faire des jardins, etc. en intérieur pour pouvoir se protéger un petit peu. Pourquoi j'ai mis du bouleau? C'est pas du bouleau ça. C'est du pain sylvestre qu'il me faut. Érable, saule, chêne. Ok.
Il me faudrait du chêne. Ah purée, ça taille sévère. Recherche, recherche, recherche. Mobilier. C'est vrai que le mobilier, faire des lits, ça serait pas mal. Il faut quoi? 42 bois et 20 foin. Ok, taille de... Non, il faut la taille de... On va prendre ça. Si on peut transformer du calcaire et commencer à mettre des éléments en pierre un peu sur certains points, je vais pas dire non, quoi. Et là, il faudra qu'on retravaille, parce que je vais avoir la tour ici, il va falloir que je travaille un peu ça. Mon entrée, là, elle va... Ça va sauter, ça va être différent. Bon, par contre, on va passer. Prendre peut-être. Il va falloir vraiment qu'on parte sur de la bouffe, hein. Comment ça, j'ai pas de quoi pêcher? Il y a rien qui pour pêcher là? Ils sont partis où les poissons? Y a plus un poisson? Ben ils sont où les poissons? Ah là, c'est emmerdant là. J'ai un brochet ici. Bon, on n'a rien pêché. C'est honteux de dire ça. Or des tailles de tarte aux groseilles, mais là ils sont matures. On pourrait le replanter, mais il faut des graines de plus, donc je vais avoir des graines. Je vais essayer d'avoir plus de graines, quoi. Moins de choux, mais plus de graines. Récolte maximum dans un jour et 18 heures. On va attendre d'avoir le maximum de groseilles. Hein. Faute de mieux.
Et je fais ça, est-ce que ça marche? Non, 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 non. Ah, ça m'annule mes champs. Putain, ça c'est chiant ça. Ok, d'accord. Bon, bah je prends la leçon. Je prends la leçon. Sol en caillebotis d'osier. D'accord, ok, pourquoi pas. Alors, il me faut du boulot. Le boulot, il est là. Ça, c'est quoi? Non, ça, c'est pas du boulot, c'est de l'érable. Donc, il faut de l'érable champêtre. Alors, attendez. Voilà. Ça, c'est du boulot. Ok, donc on va mettre le boulot ici. Ça me va. L'érable champêtre, ici. Le chêne, là. Ok. Le pin sylvestre, là. Le saule, là. Et ok, on se garde de quoi peut-être avoir des pommiers pour plus tard. Ok. Est-ce que j'ai du bois? J'ai 41 de bois, ok. Donc j'ai dit qu'il fallait que je commence fortement à faire une tour par ici. Voilà. On mettra de la terre dedans après, ça c'est pas le problème. D'ailleurs, est-ce que j'ai fait mon établi de... Ah oui, ma taille de pierre. Production. Je veux 100 de... Ouais, va pour 200 de briques de pierre. Voilà, c'est ce qu'on peut faire, je le prends. Et c'est quoi des willow saplings? Je sais pas ce que c'est willow en français. C'est du saule? Ok, là il est en maturation. 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 C'est quoi après la... Ah, c'est mature, après la maturation, d'accord. Je vais voir si je coupe le roseau, ce que ça me fait. Ah, ça me donne du foin, d'accord. Bon, ça va. Bon, Dameta progresse, c'est bien. Bon, maintenant, faut arriver à trouver des poissons, quoi. Je sais pas si les anguilles se remettent d'elles-mêmes ou pas. Après, je veux bien manger du renard de temps à autre, mais... Bah aussi bien on a peut-être que du poisson en hiver, hein, vu que les... ils se reproduisent, ils se cachent peut-être dans les marais pendant l'hiver et ensuite ils repartent.
t'avoue que je peux pas te dire, je sais pas du tout. Donc non, mais c'est peut-être ça, hein. J'ai pas lu du tout comment se gérer les poissons, etc. Donc forcément, en fait, si bien il faut... Ouais, tant qu'il y a du poisson, tu le pêches un maximum. Et après, quand c'est plus la saison, bah c'est plus la saison, quoi. Carcasse de colvert, ça je prends. On a quoi comme animaux? Faune. On a un sanglier, renard, radeau. On peut aller chercher la fermentation ou le mobilier pour avoir les lits. Les bibliothèques nous seraient utiles pour pouvoir stocker plus de livres. Mais je crois que pour l'instant, on va laisser un peu la rédaction de côté. On va essayer de progresser sur le reste. Essayer de couper les arbres qui ont pourri. Essayer de récupérer un peu de ressources, hein, à défaut. Après, on commence. Il va falloir qu'on fasse la cuisine, etc. Et qu'on fasse. Enfin, qu'on ait mieux que ce bout de terre là, qui est tout pourri. Et qu'on fasse quelque chose où on puisse vraiment accéder aux autres, mais chaque chose dans son temps. Là, on est en train de faire ça dès qu'ils voudront bien. Et à partir de là, on pourra. Trop d'herbes. On commence à avoir quelques champignons qui poussent, ça c'est pas mal aussi. On a bien quelques brochets qui sont restés, mais Ah, on a des truites! Ah, on a peut-être des poissons différents suivant les saisons, hein. Par contre, les truites, forcément, on les aura pas dans les marécages, on les aura que dans les zones d'eau un peu plus profondes. Caravane marchande, ok. Bon, on va voir ce qu'on peut vendre. Hein. Si on peut vendre quelques armes et quelques trucs. Je dis pourquoi pas. Je m'attends pas à des miracles, hein, je vous cache pas.
Non mais l'autre, il va directement dans mes réserves. Ça te dérange pas, non? Mais fouille chez moi! Bon, c'est lequel qui est meilleur en discussion? 14, 13. Ah, c'est Dameta qui est la meilleure. À la rigueur, on pouvait vendre un peu de nos livres. Alors, elle peut nous donner un âne. Ah, l'âne, ça pourrait être sympa. Mais c'est 106 balles. C'est moins sympa. Des blocs de glace, du bois. Ouais, on peut lui vendre des branchages, mais. C'est pas top. Les briques de calcaire, 1,83. La pièce, hein. Sinon, c'est pas drôle, quoi. Des colverts. C'est des colverts. Ouais, on aurait du brochet. Le brochet se vendrait bien, hein, point 30, hein. Le chou 6. Ah, on pourrait vendre quelques bouquins. Ah, 6 et quelques. Ouais, on achèterait l'âne. Parce que l'âne, ça serait trop utile, quoi. Vendre le cuir de renard. Graines de betterave, graines de carotte. On va prendre les graines de chou aussi. Graines d'herbes potagères, non. Les herbes, on les garde. Jeune pommier, on va en prendre un. Lit d'infirmerie, c'est vrai que ça pourrait être utile le lit d'infirmerie pour soigner des blessés. De l'orge, on va en prendre. Piège en bois, pomme, poste de couture, poulet, 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 ouais, poulet. On va prendre deux femelles pour un poulet mâle. Ça serait pas mal. On peut vendre le suie. Tarte de carton, non, ça intéresse pas. Table de recherche de base non plus. Les tartes, on va les garder. La terre, on va la garder. Trousse de soins, ça serait pas mal. On a des truites, c'est bon. Vêtements d'été, bon, ouais. C'est 25 quoi. C'est cher. C'est pas faux. Et qu'on leur fasse une auge aussi. On a le poste de couture, les graines de lin. On va prendre des graines de betterave. Hein. Comme ça, on va pouvoir faire de la betterave. J'aimerais bien prendre des briques de calcaire, mais si je vais en prendre 10.
Ok. Alors, on va faire le l'enclos des poulets ici. Alors, par contre, domestique. On va domestiquer l'âne. On va essayer de le dresser. Il faut qu'on fasse un enclos. Auge. Balise d'enclos. Là, une auge. Là. Et il me faut une porte. Porte en osier. Allez. On est en train de dresser l'âne. Donc ça, c'est pas mal. Que l'âne pour le transport, ça serait parfait. Hein. Par contre, il va falloir faire de la nourriture pour poulet. Jusqu'à 10 pour de la nourriture. Je veux pas d'orge dedans, par contre. Voilà. C'était pas un trop mauvais échange, hein. Je suis assez content, hein. Il est où Jackal? Il est endormi. D'accord, tout le monde dort. Ça c'est quoi? Ça c'est du champ d'orge. Ok. Il me faut des champs de betteraves. De carottes. Le chou, je suis pas. Si, on va le mettre en floraison pour l'instant. Encore. Je pense que ça aussi. Attends, mature. On va mettre en floraison. Et floraison. Histoire de se mettre des graines de côté. Allez, c'est 6h, tout le monde debout. Et la bande de la louve, ils aiment bien commercer avec nous, j'aime bien. Jackal est en train de pêcher. Ah, il peut nager, regardez, il est passé par-dessus. Donc les gens peuvent nager. Ah, regardez, on voit le niveau. D'accord, niveau de l'eau. Bien. Il a juste sauté? Ah, j'ai pas vu, dommage. Bon, on va le suivre. De toute façon, au pire. Quoi qu'il va se divertir. Donc, forcément, c'est pas super intéressant.
En fait, il fait rien de ce que je veux, quoi. C'est parfait. Ah, pour l'instant, tout ça est considéré comme étant long clos. Parfait.